Salut YouTube, j'ai complètement zappé, ça fait bientôt 1 heure que je suis en live et j'ai oublié d'enregistrer. Donc il y a un épisode 7 qui sera visible. Ouais, si, enfin, en gros, si je vais, vous passerez directement l'épisode 6 à l'épisode 8. Parce que l'épisode 7 sera consultable sur Twitch. J'ai complètement zappé. J'ai fait le boulet. Bon, tout ça me dit pas ce que je prends comme récompense. Parce que l'entente, plus 31 d'entente, c'est pas mal quand même. Avec une faction avancée technologiquement. Les comp 7 composants avancés, c'est bien aussi. Je sais pas. Je peux DL, oui, effectivement. Je mettrai le signe au boulot. Hein. Ça le fera bosser un peu. Là, j'ai plein de bois. Ça va le faire. Je chasse le Nuffalo. Non, pas avec. Non. Non, alors là, tu vois. Avec un PM, je suis pas méga fan. On va dire que là, quand même, pour un temps, de la bouffe, j'ai ce qu'il faut. Le Nuffalo, c'est bien, mais en abuser, ça craint. Me faire des plantes plutôt. Et eux, ils ont. Ça y est, si c'est bon, ils ont. Ouais, du coup. Ah, j'ai perdu un coup. Ah non, j'ai tout. Ils ont un peu plus à bouffer. Non, parce que j'ai pas encore accepté la quête. Elle est disponible. Bah, je pense, hein. Ah, oui, non, je l'ai pas accepté la quête. Tu penses que là, puisque ça expire dans 1,1 jour, c'est mort? Parce que non, c'est pour les quêtes actives, ça. Ah merde, ça a changé alors par rapport à avant que j'ai Royalty et compagnie. Je suis sûr qu'avant, tu avais un temps. En gros, un temps de préparation plus un temps supplémentaire. Ah merde. Bon. Ah. Et ben vous savez quoi? On va faire un truc moche. Hein. Ça s'appelle la sauvegarde. La coalition des seringues. On va voir qui a raison. Alors, ceci, ça me dit pas ce que j'accepte. Il y a trop de trucs bien. Il y a trop de trucs bien. Aidez-moi. Plouf plouf, trois petits cochons pendus au plafond. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Que d'hésitation. Ouais, j'ai sauvegardé, de toute façon on va vite voir. Tu dis quoi mon petit Rossi? J'ai pas suivi, je suis un bah bravo. Tu prendrais, t'accepterais quoi comme récompense là-dessus? Le fusil.
Moi aussi, c'est ce qui me tentait le plus, mais... Alors, et non, tu vois, c'est... On a 22 jours pour le faire. Hop, c'est Canton qui a tort. Préfère que ce soit comme ça. Pour être tout à fait franc. Tiens, j'ai pas défini si c'était plutôt des ouvriers ou plutôt des soldats. Non, non, c'est bizarre. Ça doit être. Ça doit être autre chose. Tom. Ouais, j'aimerais que tu me fasses en priorité ça, parce que ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Et quand même, ce serait bien si j'avais un tout petit peu de d'herbe de vie là. Non, non, je te dis, c'est pas Randy. Hein. Là, moi, je suis pas en Randy. Hein. Je suis en. Non, c'est pas là. Où est-ce que tu revois le. C'est là, option. Où est-ce que tu peux revoir tes modes de. Le scénario. Non, c'est pas ça. Avec plus de 100 modes, ouais, le bourrin. Bon. Écoute, on va redémarrer. Je suis pas pressé, c'est la teuf. Damned a besoin de soins. Bah oui, avec ça. Ça parasite, son parasite musculaire. Canton, va soigner ton fils avant d'aller faire la fête. Tac. 16%, bah y donc. Et si vous allez faire la fête avec les autres là. Hein, Rossi, va faire la fête avec les autres. Non, il prie. Oh là là, mais il est pas possible, hein. On lui dit d'aller faire la fête et lui il prie, quoi. Non mais t'es sérieux, quoi. Bon, du coup, t'en es où tes masses médiévales là? Chef-d'œuvre, carrément. Masse en bois chef-d'œuvre. Waouh. Eh ben. Ouais, mais en même temps, il y a des stades de porc. Le jeu avec du pétrole, de l'hygiène. Ah oui, d'accord. Ouais, l'hygiène. Il faudra que je teste en solo avant de. De jouer avec le truc de l'hygiène. Ça va être Tom qui va aller s'équiper de cette masterpiece quand on aura fini de faire ses racines de vie. Et le pétrole, j'ai vu ça sur un jeu, enfin un YouTube d'un joueur. Ouais, le The Bath Hygiene. Ça peut recycler les vêtements de mort. Ah, ah oui, tu les nettoies, d'accord. Logique.
Bon, quand, ah oui, c'est bien d'avoir deux personnes qui peuvent faire de la bouffe. Éternel qui drague Katox, c'est pas possible. M'en faut d'autres, trucs comme ça. Aussi, mais... Ouais, on rejette Katox, mais il y a tout le monde qui veut se la taper, Katox, hein. Pas possible, sérieux. Parce que Éternel, il doit aussi avoir des rejets de Katox, voilà. Rejet de Ketox moins 5. Rossi moins 15. Elle non. Pour... Mais par contre, eh, Speaky a essayé de la pêcher aussi. J'ai personne qui est... En garde d'enfant. Tu fais quoi pour... Ah, tu mines là. Eh ouais, Katox, salut à toi. Katox, j'ai failli te tuer. J'ai failli faire une boulette, mais juste énorme. Alors tu verras pas sur la rediff. Enfin si, j'ai en plus j'ai fait deux boulettes, mais deux assez différentes. Katox, le trait. Ah si, belle, en effet. C'est pour ça que tout le monde veut la pécho. Ouais, j'ai failli tout simplement t'arracher le cœur. Tout simplement. Ouais, j'ai fait. Voilà, en fait, je voulais le faire sur un prisonnier, mais en fait, c'est pas le prisonnier, mais Katox. C'était pas une très bonne idée. Alors, j'ai un autre fusil automatique qui est bon. Ah, du coup, ça va être pour Speaky. Hop, tiens, on va t'équiper de ça avant. Hop. Bon, on fait un peu de ménage. Ça y est, on commence à avoir retrouvé une base qui fonctionne à peu près correctement. Mais non, mais va allez pas me soigner là, mais. Oh là 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 là, quel con. Putain, c'est désespérant. Je sais bien que c'est pas de leur faute, hein, que c'est le jeu qui fait ça. Finalement, c'est moi qui ai donné les ordres au début, mais bon quoi. Là j'ai plus rien. Un peu chiant ces zones de base qui, enfin c'est pratique et c'est chiant en même temps. Une pseudo pièce pour celui qui tape l'encre. Si, oui pardon, oui, je pourrais pas faire une pseudo pièce, je pourrais faire une pièce tout simplement. Hop, mon petit plan. Tac. Tac. Hop. Plan en bois. Ah non. Pas d'espace. Je pourrais faire un autre petit lotissement. Tac. Alors, du coup, la porte est très mal orientée. Tac. Tac. Et tac. Alors, ça, c'est n'importe quoi aussi. Tac. Tac. Non, tout simplement ça c'est tellement plus simple. Là, il ne faut pas une ventilation, il me faut un autre mur. Non, il ne faut pas une porte, un mur. Là non plus, pas de ventilation. Mer mur. Hop, allez-moi ça.
Est-ce que j'ai pas d'autres trucs qui sont mal placés? Non, ça m'a l'air d'être bon. 169 bois, ça devrait le faire. Et puis je pourrais peut-être me faire quelques vrais lits en plus. Négociation avec Martin. Hop. Le bordel là-dedans. Installer. Hop. J'en ferai un troisième tout à l'heure. Alors, Mibou. Ouais, Mibou, niveau de relation 80, ça sert à rien. De toute façon, on se tapera dessus tôt ou tard. Donc... Bon, et puis il va falloir que je fasse ma caravane du coup. Un peu petit mon hôpital. Est-ce qu'ils sont... Eh non... Ouais, mais mon rossignol devrait être dans... Oh putain. Il est reparti sur des insultes. Il est chiant, ce petit rossignol. Et en même temps, qu'est-ce qu'il a à se balader en plein jour alors qu'il est censé dormir, quoi. Bon, c'est bien, c'est guéri tout seul. Et Tom n'a plus rien à faire. Tiens, tant que j'ai pas besoin de médicaux, Speaky, hop. Donne des besoins de soins, très bien. Ah, j'ai enfin de nouveau qui s'est remis, quelqu'un qui s'est remis à faire de la recherche. J'étais quoi, de la micro-électronique, ouais, quand même. Bon, si j'ai des gens inactifs, c'est qu'il est temps de faire une caravane. Est-ce que je vais faire autre chose dehors? Je pourrais faire un peu de commerce avec eux. Non, ça c'est Mibou. Est-ce que je vais faire des pourparlers? Je vais mettre 3 plombes à arriver là. Combien de temps? 1 jour 52. 1 jour 98. ,5 jours. Ouf, ça me semble un peu long. Non, vraiment le. Je vais me contenter là. Est-ce que Mibou, c'est quel genre de faction? Union des ports belliqueux. Union libre de village de robustes hommes cochons. Ils sont prêts à se faire des amis. Mais avec les museaux fins, mais ils sont également prêts à lancer une bombe et à ronger le cartilage humain en cas de besoin. Traités avec respect, ils offriront leur aide à un allié dans le besoin. Retourne contre eux. Oh là là, carrément. Vous avez déjà essayé de vous allier à des gens qui, pour lesquels la bonne entente naturelle, c'est moins 130. Est-ce que c'est pas totalement... Ouais, impossible, hein, on est d'accord. Bon, je vais peut-être, par contre, je vais pouvoir commercer avec un peu de bol. Enfin, même si c'est pas avec un peu de bol, je vais pouvoir. Hop, allez, c'est parti avec mes yaks. Je vais emmener. Est-ce que j'emmène Canton? Ouais, c'est ça, ils vont de toute façon. Ouais, c'est ça.
Ketox chercheuse, elle, de toute façon, elle reste à la base. On va prendre Speaky. On va prendre Tom. Ouais, de toute façon, normalement, j'ai pas trop besoin de combattre. Par contre, j'ai besoin de quelqu'un qui est. Bon, j'ai besoin de Pogoff. Quelqu'un qui est très bon en sociabilité, c'est Pogoff. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, plus elle sera avec son ex, elle va être contente. Ils vont peut-être bien s'entendre. Rayons un peu. Alors, j'ai besoin de 8 masses. Est-ce que j'ai bien 8 masses? 1, 2, 3, 4, 5. Normal, ouais, c'est bon. 1 et 5, 6, 7, 8. Donc c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut là. Hop. Et puis, bah, je vais essayer de le revendre. Plein de bordel. Tiens, j'ai un rat et un fennec mort. Je vais peut-être aller essayer de les chercher. Pistolet mitrailleur, c'est de la. Ah non, c'est le biocodé celui-là. Hop. Revolver, carabine de survie, bof. Bonnet. Bonnet. Tout ce qui est en tissu, je revends direct. Qu'est-ce que c'est un peu médiocre? On revend. Tissu. Tout ce qui est. Hop, médiocre. Parka d'enfant, je garde. On aurait besoin tôt ou tard. Pantalon en tissu normal. Tac. Tissu normal. Veste en tissu. Cuir fin normal. Je vais peut-être garder. C'est normal. Non, tout ce qui est normal, je revends. Je m'emmerde à faire ça horrible. J'ai rien. Médiocre. Hop, tac, 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 tac. Normal. Hop. Non, ça j'ai dit que je gardais. Tout ce qui est en tissu. Je garde juste pantalon d'enfant, parka d'enfant. Enfant, c'est bon, je vais tout garder. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je peux lui refiler d'autre? Tout ça, je garde. Bah, ça va. Qu'est-ce que tu prends de la nourriture pour bébé, mec? Non, mais n'importe quoi. Je suis pas parti avec Canton, donc j'ai pas besoin des packs d'hémogène. 10 plats simples, ok. Le lait, non. Et des médocs, au cas où ça peut servir. Bah, je vais prendre de la viande de porc, puisque de toute façon j'ai. Je suis parti avec Pogoff qui va pouvoir me bouffer de la viande de porc cash. Hop, allez, 90. Hop, c'est parti, mon kiki. Normalement, ils seront revenus au bout de ce temps-là. Allez, notre caravane est partie. J'aime voir les étagères qui se vident. Allez. Tac. Katox va nous préparer de la. Bon, c'est Katox. Ah, maintenant Rossina est super heureux. Je sais pas ce qu'il est. Hop. Quand t'as Canton qui te soigne, tu te demandes toujours ce qui va se passer. Est-ce que je vais finir avec tout mon sang? C'est une idée propice à la chirurgie. Catox, est-ce que tu veux te faire un petit peu chirurgé?
Piquet de caravane, ça évite de courir après les bêtes de somme. Non, non, ça existe. C'est de base, hein, c'est zone d'attelage pour les caravanes. Oui, effectivement, je pourrais en mettre un là. Tac. Pourquoi tu me construis rien, Canton? Constructeur 2. Va me terminer tous ces beaux bâtiments, s'il te plaît. Y a plus de bois? Merde, il n'y a plus de bois. Tu veux dire celui qui est mort? L'esclave, ces deux-là, c'est des zones de démol, c'est du farm à Imogen. Ordre. Couper du bois. Hop. Tac. Je pensais que j'aurais suffisamment de bois, mais non. Il faut dire que j'ai fait 4 chambres d'un coup. J'ai un peu fait mon bois. Je crois pas que j'ai de trop grosses blessures. Hop. À part le. Non, j'ai pas. Ah, il y a Eternel à qui manque. Ouais, je pourrais lui mettre une prothèse en bois. Ce serait mieux que rien. On ira. Allez, à gauche. Ah non, on peut pas. Ouais, je peux mettre un crochet en. Non, crochet, c'est juste pour remplacer la main. Non, il faudrait que j'ai les prothèses pour ça, mais j'ai pas. Ça, il pourrait m'accepter les hémogènes aussi, quand même. Pack d'hémogènes. Caravane arrivée, très bien. Alors, tac. Réaliser l'offre commerciale. Confirmé. Yeah. Qui est achevé. Nickel. Commercer. Alors, qu'est-ce que tu vas me prendre? Qu'est-ce que tu vas pas me prendre? Tu vas me prendre plein de trucs. Je vais me débarrasser de tant de ça. Alors, je vais faire gaffe de ne pas revendre ce que je viens de récupérer. Ce serait quand même un peu con. Carabine, donc le fusil d'assaut et le lance on les garde. Et tout le reste, normalement, je peux revendre sans y réfléchir. J'y ai déjà réfléchi. Le lit double, tant qu'à faire, on va le garder. Alors, qu'est-ce que tu pourrais me donner d'intéressant? Des composants, moi je n'ai des composants. Médicaments. Tu devais dormir lors de ce passage. Ben alors. Comme j'ai pas pris de sous, ce qui est un peu con. Bah, je suis limité par ce que je revends. Mais de toute façon, des composants, on a tellement besoin que. Ah putain, un composant avancé en plus. Hop. Et puis le reste, on fera sans. Parce que. Ouais, non, c'est beaucoup trop cher tout ça. Ouais, c'est rigolo la sculpture qui a une tête de petite fille. Allez, hop, et on rentre à la maison. L'été vient de commencer. Cultiver et vite. Mais putain, mais ils sont cons. Récupérer les packs d'hémogène et les laisser dans la chambre, ça me saoule. Canton, c'est allé lui expliquer comment est-ce que. Non, parce que si tu fais ça, tu vas le tuer. Là, je vais tuer aussi. Tiens, rossignol. Hop. Bim.
Oh là là, quel combat de... Putain, super. Bim. Voilà. Il est en danger. Non. Tout à l'heure. Plus tard. Bon, ils sont toujours là, les Mufalo. Donc... Signal guéri, parfait. Tiens, racine de vie sauvage. Excellente nouvelle, ça. Il y en a quelques-unes ici. Oh. Ils sont pas mûrs, mais... C'est quoi la taille de ta map? J'ai dû. Je sais plus, peut-être que je l'ai fait sur. Il y a 6 tailles de map. La taille standard c'est 3, j'ai dû faire taille 4, je crois. J'ai peut-être pris effectivement un tout petit peu plus grande que la taille normale. C'est pas impossible. Je pourrais peut-être me faire un frigo quand même. Avec des vrais meubles. Et un raid. Ils sont combien? Tiens, là il y a de la bouffe à aller chercher. Plus tard. Alors. Ça c'est quoi? C'est les gaz de Gastox. Ils ont tous les deux des Gastox. Bah, caneton éternel au taf. Ils attaquent immédiatement? Non, ils se prépareront un certain temps. Ok. J'irai la chasse au Mufalo ensuite. Tiens, caneton, on va récupérer ça. Hop. C'est bien, même pas peur. Hop. Hop. Voilà. C'était peut-être pas une très bonne idée en fait. Ça me fait 4. Hop. Bon, éternel. On part là. Maintenant, il revient du coup. D'accord, donc c'est très bien, il a le renard arctique sur lui. Et eux sont retournés patienter. Très bien. Caneton déménage Damnet quelque part où la température est plus sûre. Qu'est-ce qui se passe? Quoi la température? 30 degrés, oh la vache. Top. Température. Va faire un petit refroidisseur passif. Hein. Au frigo, bah oui, t'as raison. Oh mon Dieu. T'as le choix. En dessous de ton gamin à 30 degrés ou à 0 degrés. Qu'est-ce que tu choisis?
Bon. Quand je veux. Ah mais non, mais il y a déjà des mécaniques fibreuses. Oh, fait chier. Bon. Allez, au combat. Tac. Je vais pas avoir besoin de lui. Hop, voilà, problème réglé. Alors, toi, je t'ai foutu HS. Ah non, c'est tellement ça. Boulimique, super immunité, noctambule, travaux métagers, non. Et t'as perdu une jambe. Bon, alors, je vais essayer de pas me planter cette fois-ci. Et je vais essayer de faire de toi de récupérer quelques organes. Cette pièce n'est pas fermée, putain, bande de boulets. Oh là 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 là, c'est pénible ça. Tac. Ça va pas être top de. Tac, capture-moi ça. Récupérera plus tard quand ce sera dissipé. Allez, tac. Hop. Ah là 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 là, accepté. Chut. Un collant a besoin d'aide. Bah oui, forcément. Bande de boulets. Un petit chaud, froid, chaud, froid. Prisonnier inébranlable. Bah ça tombe bien, j'avais pas prévu de te recruter là. Non, tu veux pas lui donner à bouffer là. Plaisante. Hop. Santé. Donc là, je vais pas me planter. Hein. Je suis bien sur le bon personnage. Je suis bien sur, voilà, notre opération. Je suis pas dans l'ordre ce qu'il vaut. Il faut que je l'autorise. Bon, ça me fait un peu chier d'utiliser des médicaments pour ça, mais. Priorité au père. Et ben voilà ce que je cherchais. Bim. Voilà, ça y est décédé. Oh là là, zut, quel dommage. Mais j'ai récupéré son cœur. Parfait. Donc toi, tu dégages. Hop, ça n'est plus réservé. Ça me saoule ces messages, la nourriture se fait rare, bordel. En mettez du temps à revenir, moi. Je suis bien placé, moi, entre deux factions qui m'aiment pas. J'ai bien choisi. Ah oui, t'as raison, merde, j'y ai pas pensé. Les parasites musculaires, ça se soigne tout seul au bout d'un moment ou c'est un truc que t'as à vie? C'est saoulant, quoi. Et ça fait super longtemps qu'ils l'ont chopé, quoi.
fini d'un côté tout bois là. Et t'as toujours pas fini. Ah merde, il faut. Hop. Ça, tu me dégages. Alors. Ça, c'est toujours pas à maturité partout. Bien, bien, bien. Ah, je commence à voir, mais. Mais non, mais non, mais non, mais non. Oh, putain. Ça, c'est un truc de frigo, les gens. On met pas n'importe quoi là-dedans. Genre, c'est de la bouffe, quoi. Paramètres de lien. Tac. On met pas n'importe quoi. On met juste éventuellement. La binouse, tout le reste, ça se conserve, je crois, en dehors. L'ambroisie, peut-être, il faut que ce soit au frigo. Les médocs, ça a une durée de vie tellement longue que normalement, ça craint rien. Les pemmican, j'en veux pas. Les rations de survie, j'en veux pas. Ah oui, je veux pas que tu me mettes en fait les plats, puisque les plats, tu me les mets dehors. Nourriture pour bébé. Hop. La nourriture pour bébé, il pourrait. Si, il stocke la moi là, parce que normalement. Tagadam, pam, 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 pam. Allez. Voilà pour les paramètres. Ça se soigne sur la durée, ouais. Bah, c'est long, la durée. Ça fait des bons macarons aussi, la durée, mais. Ouh, il est trop drôle. Les coches aussi belles. Et pourquoi tu m'en fais autant des. Ah merde. Voiture pour bébé. Ouais, c'est bon. Normalement. Ça c'est bien. J'ai besoin de métal et surtout de composants. Hop. Bon, je vais quand même aller rechasser un peu les galinettes cendrées. À coup de fusil à pompe. Mais. Mais merde, oui. Bon, c'est qui a de nouveau plus de bouffe? C'est nous. Alors, on va ruser, on va faire des trucs qui sont pas du tout en temps normal. Tac, on va mettre caneton en défense au cas d'août. On va faire de la chasse. Là, logiquement, ils vont pas être contents. Bim. Bim. Est-ce qu'il y en a d'autres? Candidat? Bim, c'est trop facile. C'est un tout, même un tout petit peu triché, je trouve. Quel buffalo, soyons prêts. Écoute, j'ai fait pire tout à l'heure, j'en avais 5.
Bon, ah oui, tiens, j'ai une. Enfin, peut-être que je pense à utiliser mes super armes. Mon fusil d'assaut chef-d'œuvre. Sur qui je vais le mettre? Normalement, j'aurais tendance à mettre sur Pogoff. C'est presque un peu dommage de mettre un chef-d'œuvre sur. Ouais. C'est quel genre Ouais, ça vaut quand même 1205 ce truc, hein. Bordel. Avec une meilleure, bien meilleure pénétration. Bon, je vais le mettre quand même sur allez, un moyen. Il est où mon fusil d'assaut? Chef-d'œuvre, il est là. Non, c'est pas celui-là. Où qu'il est? Où qu'il est? Fusil d'assaut. Il est là, d'accord. Allez, Speaky, quand t'auras fini, tu vas m'équiper ça. Et en cac, c'est toi qui es la meilleure. Hop. Voilà, et du coup, un autre pas trop mauvais au cac, c'est Rossi. La portée, ma Wonderful. Ma Wonderful. Masse en bois, chef-d'œuvre, qui est désormais ici. Rossi, hop. Comme t'auras fini. Bon, j'ai enfin ces quatre putains de chambres. Tiens, j'ai pas de. J'ai plus d'acier. Oh merde. Merde, oui. Allez, me creuser tout ça. Tiens, allez, me creuser ça aussi. Faut pas tout le tour à chaque fois. Et un petit raid. Alors, il arrive de plusieurs directions. Qu'est-ce que tu me proposes? Trois arcs. Ça devrait le faire. Et deux arcs, ça devrait le faire. Attends, entre Skippy et. Éternel soldat, soldat. Rossi. T'es comme un demi-soldat. Ouvrier. Pogoff. Pas trop un soldat du tout. Ouvrier. Et par contre, Tom et Speaky, vous êtes un peu soldat quand même. Ouais, Tom. Et pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas les aliments crus là-dessus? Ah, c'est une question de priorité. Là, j'ai mis quoi? Importante. Alors, je vais mettre haute. Pour les autres. On va récolter de l'herbe médicinale. Allez, c'est parti. Non, Rossi, tu restes par là. Oui, si c'est juste ça. Non, toi, par contre, tu restes là. Hop. Tac, tac. Tac, 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 tac. Alors, c'est con parce que c'est pas mes tireurs qui sont là en premier.
Ah, les saligots qui... Comment ça se fait qu'il puisse... Ah oui, c'est ça, c'est un diablotin. C'est pour ça qu'il a craché du feu. Diablotin s'enfuit. S'enfuit. Tu t'en tireras pas si mon combat. Tu peux éteindre les flammes là chez lui ou pas? Les qui arrivent. Ah oui, il est allé dans la flotte pour s'éteindre. Bim. Hop. On va laisser venir un peu, se rapprocher. Trop simple. Alors, tac, tac. Bah, de toute façon, tu vas récolter tout ça. Ramasser tout ça, pardon. Tac. Tac, tac, non, pas celui de là. Hop, tac, et tac. Deux chasseurs sont plus efficaces qu'un. Oui, c'est le plus vite en marque. Qu'est-ce que t'as comme blessure? Pas grand-chose. Ketox, non, Ketox, Ketox, Ketox. Va pas fabriquer une carabine de survie. Va soigner Tom. Bien. Un raid de plus qui ne sera pas passé. Putain. Ça en fait des... Ah mais attends, c'est une quiche? Ah non, Katox, c'est pas une quiche. C'est une 8K en fait. Speaky, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que ça te dirait d'aller dormir par ici plutôt? Que ça, ce soit juste un hôpital, un micro-hôpital. C'est pas un hôpital, c'est un micro-hôpital. Tellement c'est petit. Les médicaments ne devraient plus trop se faire rares d'ici peu. Ah mais putain, qu'est-ce que ça fout là? Oh mais quel con. T'es sérieux là? Tu l'avais gardé à ton inventaire, pauvre con. Oh putain. Ouais, du coup là il fait des si vous pouvez me virer tout ça là. Un contrebandier. Ah oui, d'accord. Vous pourriez pas m'éteindre ce feu là, les gens? Bon, ça y est, il s'est éteint tout seul. Il y a le fils de Tom. Eh ben. Une étagne enragée. Ouais, il va avoir des surprises, une étagne enragée. Pogoff. C'est le temps d'aller me faire un petit pogo. Voilà. Bim. Bam. Hop. Qu'est-ce que tu me proposes? Tu me proposes un flamand
Ah, c'est un. Ah, c'est des esclaves. Ouais, peut-être pas. Pâte de gêne, mais alors j'ai rien pour m'en servir des packs de gêne pour l'instant, donc. Je ne vais pas le faire. 5 médocs, je vais peut-être prendre quand même. Ah, je pourrais, du coup, je pourrais revendre des. Off. Parce que genre, j'ai vraiment. Bisous, Nico. Je vais pas. De toute façon, je vais pas tarder. Hein. Moi, j'ai 23 h. C'est l'heure pour papy d'aller faire dodo. Je pourrais peut-être revendre. Je l'arrache. Alors, je crois que ça. Ah non, j'ai pas de problème d'idéologie ici. Parce que j'ai pas vraiment besoin d'un. Comment? D'un. En hémogène, ça va, je suis quand même assez large. Qu'est-ce qu'il propose cela? Un homme taupe. Toxico, super unité, bonne mémoire. Bof. Ouais, pas ouf. Qu'est-ce que t'es, toi? Un homme cochon. Robuste. Ouais. Et flamant rose. Néandertalien. Ouais, non. Non. À la limite, elle. C'est pas ouf. Ouais, bof. Je vais revendre mon. Tiens, mon Ambroisie, je peux la revendre aussi. Tant qu'on y est, j'ai un cœur à revendre. Bon, ça attendra. Hop, allez, ça me fera une bouche de moins à nourrir. Bon. Oui, non, c'est. Il fallait que je passe. Priorité importante, c'est-à-dire que j'inverse. Voilà. Bien, mais yak, que j'ai quand même bien du mal à faire se reproduire de façon durable. Tom Colomb est totalement guéri. Très bien. Ah, des buffalos qui sont revenus. Cadeau. 18 d'or. Bah écoute, je le prends. Ça me fait grand plaisir aussi. Tiens, éteigne là. Tac. Plus de buffalo. Alors, je vais peut-être aller le faire chasser par Piki pour commencer. Soutenu par Éternel ensuite. Ça pourrait être une idée. Salut John Peace, bienvenue sur le live. Juste que c'est dommage que tu n'arrives que maintenant parce que il se trouve que je viens de dire que je vais bientôt m'arrêter. Mais bon, ça fait plaisir que tu passes en tout cas.
Katox s'ennuie. Mon Dieu, mais c'est terrible. J'ai rien à faire construire là. La carbine de survie, j'en ai. Fusil à pompe automatique, ouais. Et à la tienne, John Peace. À la tienne. Je veux pas fabriquer grand chose de très intéressant en fringues. En fringues, j'ai pas vraiment de besoin. Si je pourrais me faire éventuellement. Je pourrais faire ça. Comme ça, si mes colons préfèrent avoir un manteau plutôt qu'une parka, ils seront contents. Hop. D'accord. Eh ben, pas nous. Bien avouer que j'ai un certain désintérêt pour ce qui se passe au Qatar, voire une légère aversion. Mais en fait, c'est plus pour tout ce qu'il y a autour que pour des questions de foot. J'ai pas un grand intérêt pour le foot, mais. Mais je dois bien avouer que. Tout ce qu'il y a autour, ça me chagrine un peu. Allez, ouais, je pense faire une dernière action là. Hop. Voilà, on les a fait se séparer. Ah, côté barre, d'accord. Aïe, merde. Là, il y en a un peu trop. Merde, 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 merde. M'aider, m'aider. Mayday, mayday. Je sais qu'il faut pas que je m'approche autant. Qu'elle tombe. Oh putain, je suis perpète. Oui, bah, je comprends, je pense que j'aurais fait la même. Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Attends, c'est par là que ça se passe.
Ouais, non, ça devrait le faire. Ouais, c'est un petit duo sympa quand même. Bim, joli. Il en reste un qui est mal en point. Hop. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, je pense que j'ai de la bouffe pour relativement longtemps. Ok, finisha. Allez. C'est bon, il y a juste lui qui va finir. Et il est presque mort. Tout seul comme un grand. Voilà. Tac. Bon, bah avec ça, normalement, je suis tranquille. Lui, il meurt dans 3 heures. Tac. Voilà. Elle meurt. Putain. Ce massacre que j'ai fait, quoi. Je vais effectivement avoir des problèmes de place. Trop de bestioles mortes. Là aussi, c'était assez violent. J'ai 7 colons, 2, 4, 6, 8. J'ai 8 colons plus un paquet à Imogen. Enfin bon, j'ai un bébé dans les 7 colons, donc. Déconstruis-moi tout ça, je nid. Très bien, allez. Sauterelle, le chef de la tribu a se contacter l'appartement. Détruire cette base. Ça me ferait Dixon évadé. Femme de 45 ans. Psy charmeur. Tiens, j'ai jamais encore des psy charmeurs. Voix agaçante, belle, aimable ou délicate. Bon, un peu naze, hein, comme stat, je pourrais dire, mais. Ça fait quoi, sociabilité, agriculture, non, là. Cheveux vigoureux. Ah. Un petit topo sans problème, et puis on s'arrêtera là. Ouais, puis la BOD est largement assez longue. Côté, je termine juste ça, psy sensible. Le ça la chaleur, non violent, bon instinct. Donc la colonie, écoute, la colonie initiale, ça c'est très bien. Composant avancé, hop. Ça m'intéressera nettement plus. Hop, j'ai 27 jours pour la détruire, ça sera bien. Donc la colonie initiale, c'était Canton. Vampire de son état, enfin pardon, sangophage de son état, avec sa réserve de sang Catox. Il se trouve qu'ils sont tombés amoureux au bout de moins d'un jour,
Ensuite, ils se sont mariés et puis ils ont eu un bébé qui s'appelle Damned. Et puis, autour de ça, bah, les a rejoints assez rapidement un savant qui s'est nommé Éternel. Puis un humain, Rossignol. Un homme cochon, Pogoff. Et voilà, Tom, qui est une humaine. Et Spikey, qui est l'ancien mari de Pogoff et il déteste, c'est ça qui est bon. Voilà, ils ont d'excellentes relations l'un avec l'autre. Sais pas comment ça va se terminer, mais voilà. Qui nous a rejoint plus récemment. Et puis on a une. Comme j'ai un vampire, bah j'ai une réserve de sang, c'est Fitz. Qui l'a depuis longtemps. Ouais. Qui m'est fort utile. Voilà, donc c'est une petite colonie sans prétention. Je joue en mode relativement simple. Je suis en difficulté, je crois, un cran au-dessus de la difficulté normale avec sur Cassandra. Voilà, c'est pas. Ah, mais attends, je suis bête. Pourquoi j'ai pas mis dans le. Il faut que je la mette dans l'eau. Je suis con, moi. Il a toujours dit qu'il fallait la mettre dans l'eau. Pourquoi je le fais pas? Donc voilà le petit topo sur la colonie. Hop, là, on va mettre les animaux que ça. Voilà, histoire que les ossements se dégradent plus rapidement. Voilà, et bah écoutez, je sais pas qui est encore actif, je sais pas si Canton est toujours parmi nous. Moi je vais m'arrêter là-dessus, sur ce petit topo, rappel de fin d'épisode. Sir Manès a lancé un raid. Mais Sir Manès. Coucou, c'est bien Sir Madness. Je viens de dire que j'étais sur le point de m'arrêter, donc ça, je vais faire un raid de raid, je pense. C'est l'heure pour moi d'aller me coucher. J'étais. Voilà. Ça va, t'étais aussi sur. T'étais aussi sur Rimworld, Sir? Solasta ce soir, d'accord. Bah moi tu vois, c'est Rimworld. Je suis pas beaucoup repassé sur le. J'ai pas eu une masse de temps sur Rimworld globalement ces derniers jours. Donc je suis pas trop repassé sur le. Comment? Sur le truc du. D'open world là. Il faudra que j'y refasse un tour un de ces quatre. Fin de semaine, d'accord. Bon, bah écoute, c'est gentil d'être passé. Je vais lancer un autre raid. Alors, je vais voir sur qui ce que je peux le lancer avant de déco. Parmi les copains du Cygne, il y a Morrigan qui est sur Valheim ou Edroda sur Factorio. Je connais aucun. Enfin, si Morrigan, c'est. C'est la copine de. Enfin, la copine, celle avec qui vous avez fait du Solasta, justement. Bah, à la limite, je vais renvoyer. Non, je vais renvoyer sur Morrigan. Comme ça, ce sera en terrain inconnu. Si je fais un raid sur Morrigan. Hop. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, je vous dis à très bientôt. Hop. Je suis con.
On voit vraiment rien. Classement invalide, ah bon? Ah, tu peux la... Ah merde. On voit tellement rien! Sinon, tu sais que tu la mets hors de la zone, il y a un cercle qui sera dans la zone qui pourra... Attends, non, je cherche, hein. Ce qu'il y a, c'est que je veux pas me faire aggro par je ne sais quoi. Tu vois? Non, t'as raison. Pas Lucie, écoute,